1981. Inauguration à la mesure de l'événement. C'est le président de la République qui ouvre la voie au nouveau TGV. 1955. 331 km par heure, déjà. Est-il besoin d'évoquer le chariot des rois fainéants pour mesurer le chemin parcouru par les moyens de locomotion? Le train, quant à lui, bravant la loi universelle, rajeunit à mesure que le temps passe. Mistral, Capitole, Aquitaine, Étendard, autant de noms évocateurs de vitesse ou de voyage. Le record a toujours des retombées usuelles. 1967, le Capitole est le premier train commercial du monde à rouler à 200 km par heure. Mais comment atteindre de grandes vitesses sur des lignes non électrifiées ? La réponse vient du ciel. Ce qui est bon pour l'avion doit l'être pour le train. La turbine à gaz utilisée en aviation fait naître de grands espoirs. Elle est puissante, légère, peu encombrante. Il suffit de pouvoir l'utiliser dans sa plage de rendement maximum, tout en ménageant sa longévité. D'amélioration en amélioration, un engin d'expérimentation, le TGS, a donné naissance à une première génération de turbotrains appelés ETG. Le turbotrain 3905 à destination de Cherbourg va partir. Avec les RTG, turbotrains de la deuxième génération, la turbine devient reine. Elle remplit seule toutes les fonctions de traction, mais aussi celles liées au confort, telles que la climatisation. La réussite des turbotrains appelait à d'autres recherches. Dans les mêmes conditions que l'étude de profilage d'un avion, une maquette, ce modèle, sa ligne future. À cette élégance utile,
devait s'adjoindre une plus grande puissance, elle-même aidée par une plus grande légèreté, sans perdre pour autant d'adhérence. Problème résolu par le jumelage de deux turbines à gaz et par la répartition du poids sur un grand nombre d'essieux moteurs. Plus de 300 km par heure. C'est un nouveau succès remporté par le TGV 001. Pas plus qu'une voiture de course ne saurait emprunter une route fréquentée par des camions, un train à grande vitesse ne pouvait partager une même ligne avec des convois de marchandises. L'inscription de la ligne dans les sites traversés fut facilitée par la capacité qu'a le TGV de gravir à vitesse élevée de fortes rampes pouvant atteindre 35 pour 1000 grâce à l'importante énergie cinétique accumulée. La nouvelle exploitation répond harmonieusement une esthétique nouvelle quand elle respecte la simple beauté. C'est ce que l'on pourrait répondre à ceux qui, peut-être, regretteraient les pittoresques tracés tortueux qui suivent le fond des vallées. D'une explosion peut jaillir une forme nouvelle, et ce n'est plus la mort, mais une renaissance. Quand seront oubliées cette fureur de bruit et cette meurtrissure de la terre, ne restera plus qu'une grande ligne droite, belle de sa simplicité, comme si le peintre l'avait tracée d'un seul coup de pinceau géant dans le paysage. Des difficultés parfois naissent les plus grandes réalisations. Bénédiction des contraintes, disait Valéry. En cette année 73, la crise de l'énergie pétrolière semble condamner la turbine à gaz sur les lignes à grande vitesse. Recours apparent, les lignes électrifiées. Mais à grande vitesse, le captage d'énergie présentait de grandes difficultés. Elles furent résolues par la mise en œuvre d'un pantographe à double débattement. De sa faible inertie, résulte un contact optimum avec la caténaire. Un engin d'étude, la Z7001, permet de tester à grande vitesse un nouveau type de bogie dont la masse se trouve réduite par l'adoption d'une transmission aux moteurs qui sont désormais placés sous les caisses. Et comme il est d'usage pour atteindre une sécurité optimale, le matériel est testé, usé systématiquement, jusqu'à la limite de sa résistance, dans toutes les conditions d'utilisation, par tous les temps, toutes les températures, toutes les saisons, de jour comme de nuit. La matière, parfois, semble se plier à ce que l'on exige d'elle, quand la grandeur de la réalisation donne la mesure à cette alchimie moderne. L'acier le plus rigide se fait flexible comme pour répondre plus souple à l'effort de l'homme et de la machine et mieux épouser son support. Voie classique, caténaire légère, les solutions éprouvées côtoient les innovations. Le 26 février 1981, dans l'ambiance habituelle des événements importants, le TGV atteint la vitesse record de 380 km par heure. Nouvelle victoire qui confirme la jeunesse du chemin de fer. De la conception à l'étude, de l'étude à la réalisation, essais, usinage, tests, vérification et mise en service,
c'est une longue chaîne qui aboutit à l'élément le plus important, l'usager. Il y a eu quelques millions. Aucun voyageur ne doit rester debout dans le TGV, autant pour des raisons de confort que de sécurité. Un appareil électronique permet de faire soi-même sa réservation, même quelques minutes avant le départ du train. À la pureté des formes engendrées par la vitesse, s'allie une architecture d'une harmonieuse rigueur. Sous la gare de Paris-Lyon, la salle d'accueil est devenue ville souterraine, car les villes ont entrepris la conquête des profondeurs. En abrégeant le temps, le TGV a réduit les distances, faisant presque de Lyon une banlieue de Paris, ou de Paris, la banlieue de Lyon. Sur voie D, le TGV 621, départ 12h15 en première et seconde classe. À destination du Creusot, Montsolide, Montchalin, Lyon-Bontour et Lyon-Perrache. Ce train assure une correspondance à Lyon-Perrache sur... Le TGV comporte un plus grand nombre de places en deuxième classe. Mieux, la tarification est modulée, ce qui permet de payer moins cher en dehors des heures de pointe. La grande vitesse n'est plus un luxe. Elle est accessible à tous. Les rames se succèdent rapidement, encore que l'on n'en soit pas au rythme du métro. Les départs nocturnes dans l'odeur âcre de la fumée, le halètement d'une locomotive qui trouve son souffle, le long sifflet tragique et rassurant, le cahotement hypnotique, le front contre la vitre, à regarder au loin en rêvassant, l'enfer du bruit dans un soufflet d'un wagon à un autre, la petite lampe à abat-jour de Crotone sur une nappe blanche, l'aventure, en un mot, le voyage, fascinant, mystérieux, tout cela n'est plus que nostalgie d'un certain passé. Mais on ne bâtit pas l'avenir sur la nostalgie. Aujourd'hui, on voyage vite, très vite, quitte à s'inventer des rêves à la mesure d'un nouvel univers. On part, on arrive. Entre ces deux termes, des centaines de kilomètres parcourus à une vitesse que les plus audacieux des premiers constructeurs n'auraient osé imaginer. Cette vitesse est exigeante. Elle implique un système de sécurité de plus en plus sophistiqué. Plus de signalisation conventionnelle, dont la perception est aléatoire, à grande vitesse par mauvais temps. Les signaux apparaissent directement dans la cabine par voyant lumineux qui indique la vitesse à respecter.
Ici, conducteur du 621, appel régulateur. Régulateur, écoute. Conducteur du 621, j'ai une séquence à 160, est-ce normal? Oui, t'as un ralentissement à 160 pour voie occupée. Bien compris, merci. Le poste central est responsable de la circulation sur l'ensemble de la ligne nouvelle. Un ordinateur assure, sous le contrôle du régulateur, la télécommande des itinéraires principaux. Avec le TGV, des régions auparavant mal desservies se trouvent soudain reliées à Paris en trois fois moins de temps. Tel est le cas de l'ensemble Le Creusot, Monceau-les-Mines, Montchanin. Grâce à un service de car ou par l'emploi de transports individuels, c'est en fait toute une population qui trouve accès à une desserte rapide, favorisant autant l'activité économique que l'usage personnel. En simple logique, notre film prend fin avec notre arrivée à Lyon-Perrache. Voyage d'une rapidité exceptionnelle, dont la durée sera encore réduite par la construction d'une gare à la Part-Dieu, en plein cœur de Lyon. Elle offrira une capacité d'accueil à la mesure du succès rencontré par le TGV. Son inauguration est prévue en 1983, année où sera mise en service la totalité de la ligne nouvelle. À cette date, de nombreuses villes du Sud-Est, ainsi que Lausanne et Genève, seront desservies par le TGV avec des temps de parcours notablement réduits. C'est finalement 50% de la population française qui profitera du système de transport terrestre reconnu comme le plus performant du monde. La croissance d'une société ne va pas sans quelques bousculades. Quand, chez l'homme aussi, les voyants rouges s'allument, il faut aborder les difficultés avec un regard nouveau. Nouveau-nés du chemin de fer, jumeaux, Patrick et Sophie ont le pouvoir de relativiser les distances en les raccourcissant. Par la vitesse, ce qui ne va pas sans problème, de bon voisinage par exemple avec les trains de marchandises et de banlieue. On voit mal un bolide de Formule 1 suivre le rythme des voitures familiales ou de livraison dans le labyrinthe des villes. Problème donc aussi de voies de circulation. Pour permettre à Patrick et Sophie d'ouvrir la voie aux trains à grande vitesse, on leur construit une ligne à eux, aux larges courbes, adaptées à leur vitesse et comportant des rampes importantes, hommage à leur puissance. Paris-Lyon, actuellement 512 km. Nouveau tracé pour Patrick et Sophie, 429 km. Nouvel horaire aussi, Paris-Lyon en 2 heures. Après Lyon et sur le réseau actuel, Patrick et Sophie devront être un peu plus sages. Ils n'en sont pas moins plus rapides que les plus rapides des trains en service. Les voyageurs auront l'avantage de voir en peu de temps défiler devant eux des images de France dans leur diversité de paysages et de ressources, avant de s'égailler selon leurs goûts ou leurs affaires,
qui vers Grenoble, les Alpes et la neige, qui vers le soleil de Provence ou de la Méditerranée. Pour la réalisation de ce réseau de trains à grande vitesse, l'informatique a pris en charge la complexité des données et des contraintes, tant humaines que géographiques et économiques, tout en respectant ce qui pourrait être une devise. La voie ferrée est économe d'espace, le train est économe d'énergie. Ans pour atteindre le goût du tunnel. 25 ans d'études, de recherches et d'expériences, avec des moments de gloire dans cette longue patience. Quand en 1955, on put atteindre sur rail la vitesse de 331 km/h, ce ne fut pas seulement un record, ce fut aussi un exploit et une aventure. Mais il fallait faire d'une performance une pratique quotidienne. Il est plus difficile de faire circuler des trains tous les jours, par tous les temps, à 260 km/h. Captage du courant, accélération, freinage, aérodynamique, autant d'observations qui sont soumises à l'étude. Qu'ils soient en circulation ou sur banc d'essai, tous les prototypes sont testés pièce par pièce. Ainsi vérifie-t-on par exemple la souplesse des bogies, leur rigidité, leurs points critiques. La machine doit être au service de l'homme. Et la plus élémentaire façon de le servir est d'abord de ne pas l'incommoder. Aussi, mieux vaut-il demander au robot ce que l'homme ne pourra supporter. De l'imagination première à l'objet manufacturé, le cheminement suit sa logique. Projet, étude, dessin, maîtrise de la matière, la technique parfois rejoint les rêves magiques de l'enfance. Moment de vérité. L'assemblage donne raison au calcul. Chaque pièce prend sa place. La ligne se dessine, plus belle encore de servir. Les besoins techniques sont le plus souvent facteurs de beauté. Innovation remarquable, des bogies placées sous les anneaux de liaison, version moderne et insonorisée des soufflets, par lesquels s'articulent les voitures. On augmente ainsi le confort en évitant aux voyageurs d'être assis sur les roues. Deux motrices, 8 voitures. Une rame de 200 mètres de long. Éléments de décoration, insonorisation, climatisation, sièges individuels et orientables, en première et en seconde, répondent aux soucis de plus en plus actuels d'atténuer toute fatigue par le confort. C'est au cours du deuxième semestre 1978 que Patrick et Sophie, deux rames de pré-série, ont été lancées. Ont-ils été auscultés jusqu'au plus profond de leurs entrailles au cours de ces voyages entre Strasbourg et Colmar? 200, 220, 260 km/h, et l'on calcule, et l'on mesure, et l'on roule, Strasbourg, Colmar, Colmar, Strasbourg, sait-on seulement où l'on est, dans un train ou dans un laboratoire? 100.
Patrick appelle PN43. Patrick appelle PN43. Annoncez la vitesse. 244 alors, km/h. Alors, vitesse 244 km/h. Je me rappellerai si j'écoute. Bonjour, nous avons intervenu à l'aéroport 36, dans une interférence. D'accord. Oui, alors voilà le programme de la marche sur Célestin, vitesse 275. On le fait à 33,5, point de mesure caténaire, 260 km à l'heure. Alors PK 29,5, vitesse 260 km/h. Patrick et Sophie et leurs futurs descendants, 85 rames au total, ne doivent pas plus craindre le brouillard et le froid de l'hiver que le soleil de l'été. Pas plus qu'ils ne doivent broncher malgré le souffle quand ils se croisent à 260 km/h. Pas plus qu'ils ne doivent renacler devant une pente comme celle-ci à 35 pour 1000. Patrick et Sophie n'étaient pas au monde pour faire une promenade. Pendant des mois, jour et nuit, ils ont été lancés dans un périple infernal. Strasbourg-Dijon-Paris et l'on change d'équipe et l'on recommence. Paris-Dijon-Strasbourg et l'on change d'équipe et l'on recommence. Patrick et Sophie n'ont pas droit au repos. Il faut user la mécanique, connaître les limites d'un matériel, c'est le meilleur test de résistance et la garantie d'une parfaite sécurité. Mesdames, ici le Tigre, la SNCF est heureuse de vous accueillir à bord du train TG. Un service de restauration est assuré au standard et une voiture-bar est à votre disposition. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un voyage agréable. Sur les traces de Patrick et Sophie, les trains à grande vitesse vont prendre le départ toutes les heures pour sillonner cette région Paris-Sud-Sud-Est à l'allure d'une voiture de course. En réduisant ainsi les temps de voyage, ils composent une nouvelle géographie. TGV 00. Rail. Air. Un turbo-train. TGV très grande vitesse 00. Zéro.
En aviation, 001, c'est toujours le nom de baptême du prototype. Mais ici, d'un prototype qui ne restera pas sans descendant puisqu'il préfigure les futurs rames à grande vitesse de la SNCF. En somme, TGV, c'est une nouvelle race de train. Il est appelé à rouler à la vitesse sous les avions d'école, c'est dire tout le soin qui fut apporté à l'étude de son profil aérodynamique. Tout, absolument tout, a été conçu sous le signe de la vitesse. Comme pour les avions, on a eu recours à une maquette placée dans la soufflerie de l'Onera. Fait significatif, avant que la rame ne soit construite, on connaissait déjà sa résistance à l'avancement. Fin du fin, le canal hydrodynamique qui a servi pour étudier le profil de Concorde fut lui aussi mis au service du rail. En somme, TGV 001, c'est la technique aéronautique mise sur rail et ce, jusque dans les moindres détails. Comme pour l'aviation, le métal fut torturé, la forme des pièces optimisée aux contraintes. Afin que rien ne passe inaperçu, on a même eu recours à l'examen en lumière polarisée. Mais rouler vite ne suffit pas, encore faut-il pouvoir s'arrêter. Ainsi, il y a autant d'énergie accumulée dans une rame lancée à 300 km par heure que dans cet énorme volant en rotation. Grâce à ce banc d'essai, on a ainsi pu mettre au point l'un des quatre systèmes de freinage, dont celui-ci à courant de Foucault. Ces freins entreront en action sur ordre d'un petit calculateur en fonction de la vitesse atteinte et du freinage désiré. Les boîtes d'essieux furent également testées. Bref, pour la première fois, l'industrie ferroviaire s'inspirait des techniques aérospatiales en commençant d'abord par simuler la réalité avant d'entreprendre la construction d'un modèle. La cellule, comme on dit en aéronautique, n'échappa pas à la règle générale. Ici, une caisse est brutalisée, fatiguée artificiellement. Elle doit avouer la moindre faiblesse, le moindre vice. Tout est détecté, contrôlé, jaugé, et s'il le faut, on retouche de façon à atteindre la perfection, à gommer le moindre défaut. L'impossible devient possible. La climatisation n'a rien à envier à celle des avions. Elle doit garantir une température constante et agréable, bien entendu, mais aussi éviter les brusques sautes de pression lors de la traversée des tunnels ou au croisement des rames. Dernier raffinement, la diffusion d'air climatisé ne doit pas produire le moindre bruit qui puisse nuire au confort.
Avec le TGV 001, l'industrie ferroviaire a donc découvert une contrainte que connaissent bien les constructeurs d'avions, à savoir le poids. Dorénavant, dans l'air, comme sur rail, le poids, c'est l'ennemi. C'est ce qui explique que le carénage avant soit en polyester stratifié. Afin de soulager la tension du conducteur, de nombreuses fonctions de conduite sont entièrement automatiques. Véritable cauchemar de l'électricien, ce fouillis de fil électrique qui est le circuit nerveux du TGV. Pas moins de 50 km de câbles acheminent soit les ordres, soit les signaux de contrôle émis par le millier de capteurs qui auscultent en permanence la rame. Autre gain de poids, les panneaux de cloison constitués d'une structure en nid d'abeille collée en sandwich entre deux feuilles d'aluminium. À peine 2,5 kg au mètre carré. Ainsi, dans toute la mesure du possible, on a fait appel aux matières plastiques, comme pour les gaines de climatisation ou pour la construction des portes d'accès. Bien entendu, toutes les matières plastiques furent l'objet d'une sélection rigoureuse. En particulier, on les a d'abord choisies pour leur caractère d'auto-extinguibilité. Enfin, dernière originalité de la rame, ceci, l'anneau de liaison. En effet, le TGV n'est pas une rame conventionnelle de 5 véhicules attelés les uns aux autres. Ici, les voitures possèdent des bogies communs et cet anneau assure la liaison entre les caisses. Ce n'est donc plus la voiture qui repose sur le bogie, mais cet anneau par l'intermédiaire d'une suspension pneumatique. Dorénavant, aucun voyageur ne sera plus assis sur les roues. Autre avantage, le centre de gravité a pu être abaissé de 30 cm, ce qui améliore d'autant le coefficient de pénétration dans l'air et la stabilité. Du côté propulsion, on s'est aussi tourné vers la technique aéronautique en faisant appel à 4 turbines à gaz turbo-méca. Elles sont d'ailleurs identiques à celles qui équipent l'hélicoptère Super Frolon. Bien entendu, le contrôle de fabrication fut tout aussi rigoureux que pour le matériel d'aviation, tant pour les dimensions que la géométrie des pièces, mais également pour leur équilibrage dynamique. Rien ne fut laissé au hasard. À 32 000 tours par minute, la moindre négligence est fatale.
Mais là s'arrête la ressemblance avec l'aéronautique, car ici, les turbomoteurs sont réunis par deux à un réducteur commun et accouplés à un alternateur qui fournit l'énergie électrique au moteur de traction. En somme, c'est un groupe électrogène nouveau style qui a été testé au banc d'essai. Les résultats obtenus prouvent que la turbine est finalement très au point vis-à-vis de la traction ferroviaire. Deux groupes générateurs équipent le TGV. Ils sont disposés chacun à une extrémité de la rame, dans un compartiment parfaitement insonorisé, en particulier du côté des prises d'air et de l'échappement. Leur poids, 4500 kg, dont seulement 720 pour les turbines. Avouez que c'est un poids plume eu égard à la puissance totale installée de 5200 chevaux. À 300 km par heure, seulement 5% de cette puissance sera absorbée par la résistance au roulement, le reste étant consacré à vaincre la résistance de l'air. En somme, le TGV apparaît comme étant, de tous les moyens de transport terrestre à grande vitesse, celui qui est le plus économe en énergie. 5 caisses pour 6 bogies, tous moteurs, c'est encore une innovation pour utiliser au mieux la puissance. Rien dans l'aménagement interne n'a été laissé au hasard. Tout a été étudié pour le confort du passager. Les sièges, la décoration, l'éclairage, mais également une remarquable ambiance acoustique. Jugez plutôt. Dans une voiture automobile à 100 km par heure, 75 décibels. Dans un avion à réaction en vol de croisière, 78 décibels. Et dans TGV à 300 km par heure, 60 décibels. Mars 1972, usine Alstom à Belfort, TGV est prêt pour les premiers essais. Ce laboratoire roulant mesure toutes les caractéristiques se rapportant à la traction, la stabilité et la sécurité. Un programme d'essai d'au moins 100 000 km permettra à la SNCF de choisir les dispositions technologiques qui seront adoptées en série. Dès la seconde phase du programme d'essai, à l'automne 1972, la vitesse dépassait à plusieurs reprises les 300 km/h et atteignait même 318. Grâce à ce turbo-train dont les performances sont actuellement sans équivalent dans le monde, la SNCF rendra opérationnelle au cours des prochaines années une nouvelle forme de transport terrestre répondant aux besoins de notre temps, rapide et accessible à tous. TGV 001.
sont dans la rame, il y a une femme enceinte qui a des problèmes. Il y a un médecin qui l'a regardé et qui demande son transfert d'urgence à l'hôpital. Bien compris. Je fais le nécessaire et je vous tiens au courant. Régulateur, j'écoute. Hein. Ici le mécanicien du 625. Oui, conducteur du 625. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai à bord une femme qui est prête à accoucher. Son transport à l'hôpital est demandé par le médecin qui est près d'elle. Bien, on te fait arrêter à Mont-Saint-Denis. Voilà comment s'est établie la liaison entre la rame et le phare. Le long de la voie, des stations radio espacées d'environ 10 km. À bord du TGV, le récepteur se branche automatiquement sur la fréquence émise par la station la plus proche. Lorsque le mécanicien appelle le régulateur, il envoie une série d'impulsions qui connectent la station au réseau. Mais à mesure que le TGV progresse, le champ radioélectrique diminue, tant et si bien, que le récepteur se connecte automatiquement sur la station suivante et saute sans interruption des liaisons. L'une des grandes originalités du TGV réside dans le fait qu'une liaison entre la rame et le phare doit toujours être possible au moyen d'un radiotéléphone tout au long des 400 km de la ligne et malgré un relief accidenté. Autant dire l'importance de l'implantation des 43 stations. Après étude, on a procédé à des tests grandeur nature sur le terrain. Une camionnette simule une station fixe et on teste plusieurs types d'antennes dont on fait varier la hauteur et l'orientation. Pointeur de mesure de Alpha 2. Oui, Alpha 2, j'écoute. Alors, au nord, j'ai une Yagi 6 dB au 310, au sud, une 12 au 140. Je suis à 12 mètres. La puissance est de 5 watts. À toi? Oui, bien reçu. Bon, ben, c'est bon. Hein. Bon, nous partons. Pointeur de mesure pour Alpha 4. Voiture de mesure, écoute Alpha 4. Voilà donc pour le terrain, mais restait à voir comment on recevait les signaux à bord de la rame en mouvement. On a donc équipé une voiture ferroviaire en laboratoire de mesure et on a déplacé cette voiture le long du tracé, ce qui a permis d'étudier toutes les conditions d'émission et de réception des signaux. À bord, par exemple, sont reçues et mesurées les fréquences porteuses de 3 stations consécutives, fréquences différentes pour éviter les interférences. Et bien entendu, on a eu recours à l'ordinateur pour avoir une analyse très fine. Voiture de mesure, appel. Ah, me recevez-vous. Oui, je vous reçois. Bon, d'accord. Ok, alors je voulais savoir simplement si on ne perdait pas la maison. Oui, enfin, il y a un petit peu remonté dessus. Oui, ça va, je comprends très bien. Et ainsi de suite, par calcul, par tâtonnement, par correction successive de proche au proche, on a défini l'implantation et les caractéristiques de la quarantaine de stations radio implantées le long de la voie. Mais revenons à notre TGV qui circule entre Paris et Lyon. Dis donc Jean-Pierre, j'ai un problème avec le 625, je suis obligé de le garer sur voie 3 à Montchanin. Est-ce que tes installations sont normales? Bon, de mon côté, il n'y a aucun problème. Hein. Ma voie 3 est normalement sous tension, tu peux y aller. Hein. La colonne vertébrale, disons plutôt la moelle épinière de ce système de transmission d'informations, est un câble qui chemine le long de la voie. Et au départ, comme tout câble de transmission téléphonique, c'est un fil de cuivre que l'on habille soit d'un isolant en papier, soit d'un isolant en polyéthylène. Comme pour les câbles des PTT, avec les fils, on fabrique soit des paires, soit des quarts repérés par un fil de couleur. Paires et quarts sont ensuite assemblés sur cette curieuse machine répondant au nom non moins curieux de Trafalgar. Chaque bobine porte les paires et les quarts différents. Bref, un véritable ballet de fils multicolores qui sont avalés un à un et ressortent, torsadés et emballés dans des rubans de papier à l'autre bout. Voilà pour la partie électrique. Premier contrôle, le calibrage.
La suite, si l'on peut dire, c'est un problème d'emballage, mais pas n'importe lequel. Une enveloppe en aluminium assure l'étanchéité et une bonne protection contre les perturbations engendrées par les courants de traction. Elle est soudée sous argon et le trait de soudure reste comme une cicatrice. Enfin, pour donner à notre câble plus de souplesse, on le crante. Maintenant a lieu un premier contrôle des qualités électriques. On dénude chaque conducteur et on le relie à un boîtier de connexion. Et un ordinateur supervise les tests et affiche les verdicts. Déclaré bon pour le service, notre câble peut recevoir ses dernières protections. Une première couche de bitume, suivie par une gaine de polyéthylène noir appliquée à chaud, et refroidie ensuite. Puis c'est un enrobage de filin en polypropylène, et enfin un enrubanage de deux feuillards d'acier goudronné. Et voilà le câble qui achemine à la fois les communications et les informations de sécurité. Ce câble a été posé tout le long de la voie nouvelle Paris-Lyon dans un caniveau. Allez, range un peu le câble là. Avance, avance. Serre-le ton câble, serre-le. Plaque bien. Eh bien, bien comme ça, bien. C'est bon, continue. Allez, on avance. Un gant là. De place en place, en fonction de la longueur des tourets, on a prévu des boîtes de jonction. Chaque paire, chaque quart est dénudé, repéré et marié avec sa sœur, mais suivant un plan très élaboré. Épissure, soudure, isolation avec des manchons en plastique ou en papier, bref, on reconstitue avec soin non seulement la continuité électrique, mais également les protections contre les perturbations induites par les courants de traction. Ainsi, à chaque épissure, les feuillards sont raccordés électriquement entre eux et à l'enveloppe. Il convient enfin de noter que dans le but d'abaisser le coût, on a fait appel à des techniques et des matériels standards des PTT comme ce boîtier de jonction. Dernier détail qui a son importance, les caniveaux sont remplis de sable pour assurer une meilleure mise à la terre de l'armature du câble. Le câble, c'est l'équivalent de la moelle épinière dans le système nerveux. En haut, le cerveau, autrement dit, le pare. Il émet des ordres et reçoit des contrôles, comme par exemple la commande de cette aiguille. Qui plus est, en cas d'incident, le PRS de la portion de voie intéressée signale à l'ordinateur du pare l'anomalie, et le régulateur de circulation prend les dispositions nécessaires. Mais revenons à notre histoire qui se déroule entre Paris et Lyon. Je suis obligé d'arrêter le 625. Chez toi, tu fais le nécessaire pour commander une ambulance. Il y a une femme enceinte qui est prête à coucher. D'accord, je préviens l'hôpital. Le régulateur circulation depuis le PAR à Paris va donc commander à distance les aiguilles. Les ordres sont transmis au PRS de Montchanin par le câble. Là, ils sont décodés et mis en forme dans ces circuits électroniques. Ensuite, l'ordre est exécuté avec, bien sûr, en retour, l'émission vers le PAR d'une information de contrôle. Reste maintenant à voir le problème de l'acheminement sur une si longue distance des informations. On a donc découpé l'artère Paris-Lyon en quatre secteurs. Suivant la distance, on utilise soit la transmission traditionnelle, soit la transmission sous forme numérique, ou bien la combinaison des deux. Dans notre cas,
Entre le phare et la cour d'Arsenay, les ordres empruntent une autoroute pour information sous forme numérique, puis sous forme analogique entre la cour d'Arsenay et Montchanin, et inversement. Au phare, le régulateur a sous les yeux l'ensemble de toute l'artère Paris-Lyon. Chaque ordre donné revient avec un accusé de réception, comme par exemple le PRS de Montchanin, qui signale que l'aiguille est dans la bonne position. Mais qu'est-ce que la transmission numérique? L'idée est la suivante. On prend un signal électrique continu que l'on découpe en tranches 8000 fois par seconde. Chaque tranche est si brève, 4 millionièmes de seconde, qu'entre deux prélèvements successifs, on peut en loger 119 autres. Autrement dit, on peut acheminer sur le même support simultanément 120 communications téléphoniques. On mesure ensuite la hauteur de chaque échantillon et le résultat est exprimé sous forme binaire par une succession de 0 et de 1. Ce codage présente l'énorme avantage d'être compatible avec la logique des ordinateurs. Avantage également, la sécurité du signal, c'est bon ou pas bon. Ensuite, on peut très facilement le régénérer après affaiblissement sur une longue distance. Un régénérateur, précisément, en voici un. Pour des raisons de commodité, il est installé non pas dans l'axe du câble, mais à quelques mètres. Le raccordement au câble principal étant effectué à partir d'une boîte de dérivation. Mais comme seuls sont régénérés les signaux transmis sous forme numérique, ne sont branchés que les deux taurons de trois paires chacun. Encore une fois, toutes ces opérations sont effectuées avec un luxe de précaution pour éviter toute interruption dans les liaisons et surtout les perturbations dues au courant de traction. Et seul un couvercle portant l'inscription MIC est là pour rappeler ce tour de force de l'électronique. L'électronique, la voici chez son constructeur. Avant installation, on contrôle un à un chacun des 120 canaux, entendez par là, chacune des 120 communications téléphoniques qui seront acheminées simultanément. Autre tour de force de l'électronique, le phare. Ici, on contrôle aussi bien le trafic que l'alimentation en énergie, ou encore les commandes et contrôles de sécurité. Tous les circuits sont vérifiés. Par exemple, pour les télécommunications, deux ordinateurs règnent en maître. Ils fonctionnent en parallèle. Pendant que l'un est en activité, l'autre veille, prêt à prendre la relève. Qui plus est, en cas de panne, l'ordinateur affiche le numéro de la carte défaillante et le spécialiste est doté d'une calculatrice programmée pour détecter la cause de l'incident. Bref, tout est testé, passé au crible, les liaisons radio, la téléalimentation et le câble lui-même. Mais cela, le public ne le sait pas, il ne le voit pas, et pourtant, il s'agit de sa sécurité. Mais revenons à notre histoire à bord du TGV. Le régulateur appelle le mécanicien du 625. Mécanicien du 625, j'écoute. Bon, appel est nécessaire, puisqu'on a reçu un pied en gare de Montchanin. D'accord, compris. Pas de problème, l'ambulance est là. I'm going to go to the hospital.